Et salut à toi YouTube pour le retour. Alors on est le 27 décembre, on a fini les fêtes. Pas streamé pendant 3 jours là. 24, 25, 26. On est le 27. On est reparti. Et ouais, si la commande est pas claire, ceux qui ont écouté l'information, je parle pour le chat. Oh le son s'il vous plaît. Si la commande est pas claire, quelqu'un peut réexpliquer. Je pense avoir été assez clair. Bon bref. Alors COTD, alors très intéressant cette map là. Parce que c'est sur du x2. On appelle ça 2x et la taille de la map quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Go win BG map pour toi ça. Alors je sais pas. Mais ça a l'air intéressant. Un peu style RPG. Je sais juste pas où aller. Non, tu mets un clip de ce que t'as dit. Ah mais je l'ai pas très bien expliqué. Oh, je suis sûr que vous êtes capable de le redire. Non mais là, pour moi la commande est claire. Ok. Oh j'ai cru que ça allait tourner à gauche. Hein. Et finish. Intéressant. Alors j'ai eu plusieurs respawns. Très intéressant cette map. Hello Yane et le chat. Premier semestre validé avec succès. GG ça. Let's go. Merci beaucoup Selgara. Bon, je vais essayer vite fait un clean run. Ah je jump un tout petit peu trop haut. Après le problème ce genre de map, je me demande s'il y a des cuts. Ok, petit WR en 47.5, j'ai cela dit raté mon quarter pipe. J'ai été beaucoup trop haut. Donc je pense que ça va être battu dans très peu de temps. Ah, il y a un petit jump ici. Map de qui d'ailleurs? Map de Slowpew. Ok, ok. Ok, le problème c'est ce premier drift. Pour moi, la transi Dirt Road, elle est trop tôt. Et en plus de ça, on a un petit bump à cet endroit-là. Mais au moins, ça nous donne la trage. On va voir. En soi, ça se régule avec un petit néo. Par contre, la transi du start, vous voyez, des fois, je perds beaucoup de temps. En fait, c'est mieux d'aller chercher, si vous voulez. On pourrait ne pas avoir de airtime en faisant un truc du genre, sauf qu'on est fucked up pour la line ici. Et du coup, à mon avis, c'est mieux de prendre ce airtime, mais au moins de pouvoir tourner et avoir le drift 100%. Je sais pas si c'est très clair, mais... Je sais pas quand airbreak au début pour pas avoir de perte de speed, par contre. Peut-être juste pas airbreak, en fait. Voilà, ça me paraît. J'ai voulu proc la gear. J'ai un peu raté. Je me suis pas remis droit. Pas grave, on allarge le temps. Un petit coup de release pendant le drift. Le problème c'est switch de gear, j'ai de la peine. Et là à mon avis ça sert à rien. Je parlais de mon premier semestre de l'académie. Je vois pas exactement ce que c'est mais j'imagine que c'est GG. Enfin une partie quoi.
Ah mais je prends de l'herbe en faisant ça, putain. Ah, je dis pas que le bloc est mal foutu, mais... Oh, j'ai tenté de lower time. Premier semestre à te regarder. Ah, donc rien à voir avec... L'Académie Yannex. Oh putain. Ah. Ah bro? J'ai cru que tu me parlais à moi en disant Yannex. Honnêtement, des petits guillemets sur Yannex, j'aurais compris, je pense. L'Académie Yannex. Ok, got it. Bah GG pour le M2. Trop inter. Bon, faut encore y aller un petit peu pour être safe. Top 64. Mais je pense honnêtement que c'est une map qui va pas me poser problème. Voilà, je le dis. Ça va même peut-être finir en WR cette histoire. On n'est pas à l'abri. Mais je pense qu'il y a un coup de frein à mettre sur le demi-tour d'heure. Et j'en ai aucune idée. Oh, mais j'ai encore sauté une année. Je parle pas de l'Académie Yannex. Quelqu'un... Oh bah. Peut-être cette histoire, elle était pas si fausse, hein. Cette histoire de WR, là. Ah, le petit coup de drift là. C'est un peu mieux. Ok. Merci Noskins pour le prime utilisé. Bon, à mon avis, ça va être battu dans pas longtemps, là. Je crois qu'on peut zoop avant le looping. Ça, j'ai pas encore pu test. Bon, mais le... Je vous jure, le petit coup de frein ici. Oh, il met si bien... Par contre, ça, c'est dur à enchaîner. Hein. Attends, faut que je tente le zoop. Je vais respawn pour que mon PV soit lined up. Ok. Ah, j'ai pas vu du coup. Je trouvais pas mon PV autour de moi. Ah dommage, je me suis fait surprendre. En fait, ce truc-là, il me saoule un peu. Et j'ai pas de solution. Je cherche. Ah, point 4, ouais, c'est avec un bon start, quoi. Et merci beaucoup.
Merci à Stalé. Merci beaucoup pour le 7ème mois. Ah bah profite bien Alexis. J'ose pas beaucoup freiner. Moi, j'ai tenté l'air break, mais. Ok. Putain, j'aimerais bien le petit top 1 là, fin de seeding. Bon, vous avez vu mon start, il était pas fou. Hein. Ouais, Nabla. Ça va être dur à aller chercher là. En fait, vraiment, aller chercher l'exter ici, c'est insane, genre. Bon, je pense que je suis safe seed 1, là. Je sais pas vous, hein. Hey, yo, Jane. Vraiment nul, la star. Attends, check ça. La speed que j'ai comparé. Et ça s'enchaîne sur tout le long là. Ouais, j'ai abusé. Mon coup de frein d'avant était incroyable. Merci beaucoup Nosis. Merci énormément pour les 25 subs. Ah, c'est très gentil. C'est très très gentil. Bah, tous ceux qui ont été subgift, n'hésitez pas à remercier. Ça fait extrêmement plaisir. C'est très gentil. Je retourne finir la Bank Cup. Et bah, merci beaucoup. Non, mais les gars, y a... c'est pas grave. C'est très bien. Vous inquiétez pas. Merci énormément à Noskin. Déjà pour le sub avant et pour les 25, c'est insane. Et bonne Bank Cup sur YouTube. On te spoile pas. Et yo tomorrow. Non! Oh, c'était sick! Ah. Oh, le clipos! Oh non, hey, j'ai double verre. Dans mon cœur, j'ai double verre. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup Noski. Oh, bonjour et pas de last run, merci énormément pour les 25 autres subgifts. C'est très gentil. 13ème mois est tombé. Bah. Si tout d'un coup tu voulais redonner 25, tu peux préférer les beats pour la prochaine, mais c'est juste je dis ça comme ça. C'est très très gentil, merci beaucoup.
Alexis. C'est très gentil. Bon bah les gars, troisième du coup du seeding de cette COTD, donc ce sera seed 1. Et ouais, la prédit qui passe, hein. Qui passe large. Pourquoi des bits de donation c'est pas mieux sachant que tu touches tout le pognon? Oui, mais le truc c'est que t'as rien en retour quand tu fais une donation. Alors que les cheers t'as le badge et t'as le truc, enfin tu vois, tu peux participer au train avec. Oui, techniquement, les donations, je te donne mon IBAN si tu veux, et puis c'est mieux. Hein. Non, tu vois. Hop, et merci Mélio. Bonjour. Merci Mélio Seb pour le 26e mois. Très gentil de ta part. IBAN, ouais. Ah bah on fait comme ça, les gars. Putain, mais le run que j'avais point 3, c'est incroyable. Bon, je crois que j'avais point 3 à ce CP là, mais là j'avais point 2. Un truc du genre. Oh, c'était sick par contre. Je suis deg. Le petit clip sur le quarter, honnêtement, c'était peut-être pas 45. Ouais. C'était un très bon temps. A voir si les gens font le cut en round. Quel cut. J'étais sûr qu'il y avait un cut, je l'ai dit hein. J'ai dit sur genre de map, il y a des cuts. C'est quoi le cut? Oh non. Eh, me dis pas que les deux premiers ils ont cuté hein. Sinon je casse. Je casse tout. Nabla il a cut. Ah, je vais tout casser. Il skip le half pipe avec la grâce. Il skip le half pipe. Half pipe? Grâce. Non? Non, alors backseat on peut. Vu que je l'ai pas trouvé en seeding. Un autre half pipe, y'a où un autre half pipe? Je crois pas, hein, y a que là. En gros, il saute à droite de la piscine et atterrit en dessous. Droite de la piscine. Into tac tac. Ou bien tac. Demi-tour, bang. Et c'est pas mal ça, non? Merci. Promis, je vais manger ma pizza maintenant. Merci beaucoup, Noskins, pour les 5000 bits. C'est très gentil. Et t'inquiète pas, les 50 subgifts, c'est incroyable. Merci énormément. Ouais, c'est ça. Ok, let me try. Il me faudrait un try. Ok. Pour que je puisse comparer les temps. Je suis pas trop mal là. Point 4 derrière. Voyons voir. Ouais, ça va être compliqué là. Wow. 52 45.3. Ouais, le cut est giga fast. Faut cut. Mais est-ce que je prends Mi Elcon.
En fait, je sais pas si je dois prendre droite-gauche. Attendez, je réfléchis. Je pense droite-gauche, ça me safe le looping. Bon, c'est un très mauvais start, mais c'est pas grave. Point 8. Ah, j'ai PB avec ça, les gars. Voilà, oh, large le cut. Ok. T'as, je suis deg. Un petit CP au quarter et c'est fini. C'est pas grave, ça reste une bonne map. C'est juste... C'est pas grave. Ce cut explique mon seed. Ah bah je crois qu'il explique mon seed 3 hein, en vrai, non? Mon seed 3, ma troisième place. Après je veux pas comploter hein, mais... Attendez, 42e. Deuxième. Je crois que le cut est... Je crois qu'on gagne un peu avec le cut, mais... C'est... Pas sûr encore, il faudrait tester en éditeur. Je viens d'arriver. Le grand Yann est-il sidin? Tout à fait. Merci, Lulunique, pour le 20e mois. Et oui, je suis sidin. Ça se joue à rien. C'est close. Déjà hein. Un an. Go win la COTD. Et merci à lui. Bon, c'est Zenny qui fait des temps de fou. 44 là. Zenny ou Willogs, j'ai pas vu. En fait, je me demande si ça c'est mieux. C'est de la merde. C'est de la merde. J'aimerais bien Kamset, mais je vais être bug. Ou Zenny. Oh. Close. En gros, je me demande si c'est mieux d'aller direct à droite, faire un demi-tour, clip, prendre comme ça, tac-tac, et aller. Ou est-ce que je continue à faire mon truc de blim-blam-bloom. Franchement, le demi-tour comme ça m'a l'air pas mal, mais... J'aurais à dire... Pensez quoi vous? Demi-tour au CP ou triangle?
truc comme ça, le demi-tour. Mais ça fait beaucoup de manœuvres, je trouve. PB avec ça. Je trouve le cut rajoute un petit côté RPG à la map, c'est pas plus mal. Après effectivement, le triangle a l'air plus safe. Et merci Lenny. Merci beaucoup. Petite contribution pour les fêtes, grand fan. Grand fan également, merci beaucoup pour les 100 bits. Merci Géjou pour le troisième mois. Très gentil. J'ai pas les meilleurs starts en round. Ça m'a l'air un peu lent quand même cette histoire de demi-tour. Je sais pas, par contre je préfère faire le demi-tour. À jouer, je trouve ça plus agréable. Un peu lent. Bah donc j'ai fait 45.2 avec mon triangle. 33 mois Pochon, j'espère que vous passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Dragon. En fait j'ai fait mon PB avec un triangle je crois. Et j'avais pas un start de fou. Alors que là j'avais un start. Ok. J'ai fait 45.2. Je pense que j'ai perdu du temps globalement sur la fin. Et le demi-tour me sécurise d'avoir la trajectoire pour le looping. Contrairement au triangle, où je dois vraiment aller inter et je peux potentiellement aller trop exter et pas avoir la trage pour le looping. Ça se discute. Hein. Ouais, c'est avec le demi-tour dans le CP. Ok, ok. Bon, je vais garder le demi-tour, j'aime bien. Ça demande quand même pas mal de manœuvres, mais... Go. WR, bonk le mur avant de tomber. Et fais un demi-tour inverse que toi dans le CP, juste pour l'info. Je vois pas comment il a la trash pour le looping après. En vrai, je vais garder ce que j'ai trouvé. Je préfère. Après, la map vient de sortir, donc à mon sens le WR ne fait pas forcément la bonne trajectoire. C'est rapide ça.
Typiquement, c'était pas mal là. C'est dommage que j'ai clip le CP à la fin de mon demi-tour. Mais mon drop était fast. Après, je pense qu'un demi-tour dans le triangle, ça doit être fast. Vraiment. Parce que mon triangle, je le no-driftais, mais j'arrivais pas à lancer le drift. Tu slow down, c'est pas grave. Ça a géré cover, mais putain, les manœuvres. Petit créneau là. Ce qui m'aurait fait mal, c'est de ratterrir. Et j'ai eu peur du mini-zoop. Si ta voiture lève trop les roues avant, le mini-zoop en ratterrissant m'aurait envoyé. En dehors, t'as oublié le clino. Ah putain. On dit signophile en Suisse. D'ailleurs. Pour les clignotants. What? Ma voiture tournait pas. De let's go, Inkstriar. Très bizarre ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est bon. Oh. Ah c'est bon, large, 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 large. Petite panique sur le turn. Merci Zeliox pour le 24e mois. Les 2 ans. Ça fait plaisir. Ah, large, large, large. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon joystick. Comme si j'avais une macro qui s'était activée, que je pouvais pas tourner au max. Ah, c'était un demi-tour fast, ça. Ouh. 45.1, c'est pas encore... C'est pas encore PB ? Ah non, j'ai 44.6, pardon, je suis con. Ouais, t'as raison, Jojo. Mais il a même sorti 44.1, Zeni. Si je me trompe pas dans les premiers runs. 43.9 de Gwen. Mais je vous disais en round. Pour le coup... Pas fou là. Mais vous inquiétez pas. Moi j'ai pas peur. Là j'ai pas peur.
Pas peur, moi. Ah, c'était 1.5. Bah, j'ai cru que c'était 44 points. My bad. Bah alors, Zénian, Jean-Luc. Quel bâtard. En fait, c'est dommage que je sois pas régul sur le start. Je sais pas, le coup de frein, j'y arrivais bien pendant le seeding, mais là, il veut plus. Et du coup, à la fin, j'airbreak pas pour trigger plus vite le finish. Compliqué ce cut. C'est vrai que si t'es pas habitué à jouer réacteur low speed, ça peut être compliqué. Moi, ça va pour le coup. J'aime bien ce cut. What a turn. Ah, ce demi-tour d'heurt là. Ah, j'étais sûr, Zeni. C'était sûr. Aucune idée d'Arkirua. Mais si t'es content de ton temps, c'est le principal. Faut pas regarder par rapport aux autres. Ok, bon, j'ai pas beaucoup de spin. Perdre combien de temps au niveau du cut si au lieu de faire demi-tour, on full speed dans le CP et double respawn? Pas testé, alors aucune idée. Peut-être que c'est bien. Je sais pas. Scrappy a essayé, ça rend plus de temps, ok. En tout cas, je suis très content de ma régu depuis le début.
J'ai très vite intégré le cut à ma route. Ouais, tu perds le react, c'est vrai. Bon, tu le récupères un bloc plus tard, mais tu le perds momentanément. Mais what? Ça bug! J'ai re-eu la même chose. Ça sert à rien. C'est pas mérité. Sad. J'aimerais bien un clip pour voir exactement ce qui s'est passé avec mon joystick. Ouais, bug pad sur le premier drift. Merde, j'étais pas dans la bonne scène depuis tout à l'heure. Non, on annule pas, hein, c'est la vie. J'ai pas activé. Ah, DNF. Cœur. Je veux voir ce qui s'est passé. Juste, il arrête de tourner, en fait. Je suis pad et tout. Enfin, au joystick. Et là, il s'arrête de tourner. La vie est injuste. Ah, c'était winnable. Ça fait mal. Merci Maladax pour le T1. Et Crème aussi pour le 11e mois, pardon, j'ai loupé. Je sais pas, je pense... Ah, ça me fait chier. Bon, ça arrive pas trop souvent, ça arrive quand même. J'essaye de voir. Ah. Ouais, c'est quand vraiment je serre fort la manette, quoi. C'est unlucky. C'est genre le capteur. Top 1, je me disais aussi que c'était faisable. Oula, Kevin. Mais y a pas les voitures! J'avais peut-être pas bien enlevé la poussière aussi. Tu sers aussi fort la manette, fais gaffe, tu risques de la casser. Ouais, non, je sers. C'est la vie. C'est con que ça arrive là, alors que c'est pas souvent, quoi. C'est la vie. C'est pas grave. Je peux pas m'énerver pour ça. Hein. C'est qu'une COTD. Faux contact, si c'est reproductif, faut changer instant.
Ça, c'est la dernière fois que ça est arrivé, c'était genre il y a tellement longtemps. Non, je veux pas changer de manette pour ça, les gars. Oh, la trash de Walagan est intéressante. Je pensais, j'avais pas pensé à éviter le airtime comme ça. Change d'appartement et de pays. Ouah, mais Tomix! Ah, ça, c'est ce que je vous disais. Le triangle, justement, ça te faisait perdre la trage. Ça m'étonne qu'il ait tenu jusqu'au top 3 avec cette trage, d'ailleurs. C'est la trage GPS? Ah, la trage GPS qui cut? Stylé. Ah non, tu dis le airtime. Allez, pour Walagan. Allez, Walagan. Allez, t'as une meilleure trage là, tu remontes. Boum, le turn. Le coup de frein un petit peu late. Je crois qu'il a fait un coup de frein, en tout cas, c'était bizarre. Allez, tout sur le cut. Ixon. Ixon trop loin. Ixon qui prend le triangle. Walagan un peu externe, mais il a peut-être plus de spin. Overall. Non. Ah, et c'est Ixon avec un 44.9. Honnêtement, bon temps. Ça aurait été même... même moi. Ça aurait été close. Ah, tu dis pas mérité parce que c'est ton mate, mais... ils ont bien joué les deux. Hein. Tu pas un rageux, non, non, non. Bon, allez. Eh ben, sur ça, quand même top 2 pour Walagan. Donc GG, Walagan. Vous avez très bien joué les deux. Les deux méritaient. Et voilà, bah YouTube, on se revoit très bientôt pour une autre VOD, tout simplement. Pense à t'abonner, liker. Des bisous, YouTube.